donc à la stèle de Coluche. Et je vous remercie quand même pour cette fidélité depuis tant d'années. Ça fait vraiment chaud au cœur parce que on ne pense pas que quand on démarre 22 ans avant, que ben, ça va continuer à ce rythme-là et que ça ne faiblit pas. Bon, il y a des années un petit peu plus phares que d'autres, bien entendu, mais c'est encourageant de vous voir tout cela et que ça se perpétue et que ça reste surtout dans ce cadre familial et puis convivial, hein, de famille. Voilà, ben écoutez, je vais pas dire grand-chose. Je vous remercie à tous parce que c'est vous qui faites la fête du fait que vous êtes tous là présents. Merci encore et continuez à venir, ça nous fait vraiment plaisir. Voilà, alors donc nous sommes donc sur le rond-point de Coluche qui nous a quittés. Et chaque année, nous espérons pouvoir y revenir et se rémémorer tout ce qu'il a fait et cet esprit moteur qu'il avait. Je voudrais aussi vous parler de Véronique, son ex-femme, pardon, qui nous a quittés il y a 2 mois et demi, en se rappelant que c'est elle qui a repris le relais des Restos du Cœur. Bravo, Monsieur le Président, bravo Gérard. Un engagement de la Comédie Plus, on sera toujours à vos côtés pour les Restos du Cœur. On sera toujours à côté et les motards qui sont là sont aussi à vos côtés, à côté de Gérard, pour chaque année venir se recueillir sur la stèle. Mesdames et messieurs, excellente journée. Yeah.